Bonjour les gars. On y est enfin. Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre miniature, c'est le début de ce tour en intégralité avec la Trek Sega Frito. J'ai téléchargé tout simplement, enfin j'ai mis toute la DB manuellement également. J'ai un carnet de route pour le Tour de France parce que, comme vous savez, je serai sur les 4 premières étapes. Alors là je serai vers le sprint intermédiaire normalement. Là je sais pas encore, mes parents veulent que j'aille au au bord de la plage, mais moi je déteste ça. Là également je serai sur la route et là je serai au départ normalement. Du coup à Redon départ, et également je serai, mesdames et messieurs, aux Champs-Élysées. Du coup voilà, si on se croise, n'hésitez pas. Non mais sérieusement, aujourd'hui le début de ce Tour de France que j'attends tellement. Je pense que j'attendais plus celui-ci que celui de l'an passé, quoique les deux, voilà. Alors j'ai vu, en tout cas j'ai choisi la Trek Sega Frito. Alors les starters sont au complet. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter. On y est enfin sur ce Tour de France, comme je dis. J'ai pris la Trek Sega Frito. L'objectif qu'ils veulent, c'est d'être dans le top 5 avec Inisson. Que j'augmente à 80 montagnes. On a Nudi, Mali, du Moleba, du Pedersen, du Steuven, on a Edwartens, on a Skuins et Tom Skuins. Et on a Julien Bernard dans notre équipe. Une très belle équipe, honnêtement. Les objectifs de l'équipe, c'est quoi? Enfin, que je me suis dit, c'est la combativité. On va ramener la combativité. Le maillot à poids. Et une place entre la 5ème et la 10ème place avec Inisson. Je pense que ça peut être pas mal. Et le maillot vert, pourquoi pas, avec Mats Pedersen. Alors j'hésitais avec la Bahreïn, mais bon, quand je vois que le leader de la Bahreïn, ce sera Egg ou Bibao. Déjà qu'on a galéré avec lui, nous en pensez, vous croyez vraiment que je vais faire ça? Ah, déjà ils ont mis le co-leader. Ouais, alors 78 montagnes. Alors Mollema, j'avais augmenté. Parce qu'il a fait un très bon début de saison. Nibali, finesse, Nibali. Mine de rien que les années passent quand même. Parce que Nibali. Plus qu'à 78 montagnes encore de dans le jeu de base, il y a 77. Julien Bernard, ok. Edward Tuns. Mats Pedersen, il y a combien en Wallon? Bon, en Wallon, c'est 73, mais surtout 77 sprint. Voilà, alors on est parti pour le Tour de France. On va pouvoir raconter notre vie. Voilà. D'ailleurs, je tiens juste à signaler également que vous pouvez rejoindre. Alors, c'était jusqu'à aujourd'hui midi que vous devez que vous pouvez rejoindre tout simplement la Xcurito. Voilà, je ferai tout le temps le point comme Styros. Alors, je pense aller dans l'avant. Cette étape inaugurale à l'extrémité ouest de la Bretagne devrait être maîtrisée par les équipiers des puncheurs. Avec une côte finale de 3 km, les coureurs les plus explosifs trouveront en effet un terrain d'expression idéal pour tenter d'endosser le premier maillot jaune de cette édition 2021. C'est très bien, Patrick Chassé, on a un relief à répondre à côté. Dossard 1 pour... ouais, si vous voulez. Bon, alors j'attends beaucoup ce tour. Alors franchement, je sais pas quoi attendre des Français. La seule chose que je veux, c'est qu'ils nous fassent rêver, tout simplement. Voilà, même si ça risque d'être compliqué. Alors là, ça a laissé partir Cabo. Alors, si vous le connaissez pas, il a fait un très bon championnat de France. Voilà, Boy Van Poppel et Christopher Gulrensen. Alors je sais pas si on est au-dessus d'eux, je pense que oui. Et on est avec Google. Très bien. Et les pelotons à laisser partir, quoi, avec une échappée de 5, c'est quand même beaucoup pour une première étape du tour. 4 coureurs, bah écoutez, voilà. Mais bon, l'objectif, ça reste quand même le maillot à poids avec Kuin, c'est la combativité. Voilà, et je commence à l'envoyer dans les étapes de plat. Par contre, l'objectif, c'est un peu le maillot vert avec Mats Pedersen. Ça, franchement, Mats Pedersen, ça peut faire. Hein. Après, il y a Steven, mais bon, les gars, c'est mort, on ne prendra pas. On jouera pas le maillot à poids avec le maillot vert avec Edward Tuns. On a déjà essayé des maillots verts en pro team. Voilà, c'était la galère. Bon. J'ai pas l'impression non plus qu'il faisait. Allez, j'ai pas l'impression qu'il faisait non plus énormément bien le maillot à poids. Enfin, qu'il jouait trop le maillot à poids. Bon, honnêtement, on prend aucun point forcément, mais au moins, on a réussi à revenir. Enfin, oui, on a quand même. Enfin, on a réussi quand même à combler un peu. 9% de pente moyenne dans la zone de ravitaillement, elle est loin, mais on est déjà obligé de le prendre parce que ça n'allait tout simplement pas laisser partir. Et là, c'est Bjerg qui roule pour UAE. Bon, vraiment, ça n'a pas laissé partir. Bon, j'ai réussi à être à l'avant avec Cabo, Backland, c'est Gulrensen, mais vraiment, UAE, ils veulent pas laisser partir une échappée. Oh, on est dès la première étape du tour, ça laisse pas partir. Bon. Oh, ça lance quand même très tôt là. Bon, on m'a dit que j'appuyais pas assez fort lors des sprints, mais on va essayer quand même. Allez, au moins essayer d'aller s'arracher ce point là au sommet de la côte de Rose Noël. Allez, 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 Tom, oui, allez, un point. Pour Tom Skuins, notre laiton de cette équipe. Trek Sega Frito qui. Qui sera vraiment notre baroudeur, tout simplement pour ça en intégralité. Alors c'est la montagne de l'Ogrenant, il me semble, mais en tout cas des pavés, deux secteurs pavés dans cette montée. Même une ville qui a des montées énormes, hein, je crois. La côte doit avoir le pourcentage moyen. C'est 1 km 100 à 8,4% de pente moyenne. Mais regardez la partie rouge, là on est sur 19% déjà. Là on va sortir. Alors sur la Brest Cup, si vous suivez le pro team, alors normalement il me semble qu'on est
juste ici. Hein. Alors, est-ce que là, ouais, voilà, on tournait ici sur en pro team. Et là, on tourne pas. Eh, hey, ils sont déjà en train de lancer, effectivement. Là, même si Backlund, ça n'a peut-être pas envie d'y aller. Quoique, bah, nous, on va essayer d'y aller avec avec Tom Skuins. Il reste 400 mètres là. Allez, allez, Tom Skuins. Et on va les décramponner au sommet de cette côte. Et on prend 3 points. C'est Tipa. On est en tête de ce classement. Bon, il restera quand même. Il reste encore. Ouais. 3 points, on prend tout simplement. Il y en avait 4 à prendre. Et sur les 4 points possibles, bah, on en a déjà 3. Alors que la première côte, on n'avait pas pu le prendre parce qu'on venait tout simplement de revenir. Quimper à Ville Haute, tout simplement d'une étape sur le tour qui avait été remportée par Peter Sagan. J'étais à l'arrivée tout simplement. Voilà. Et franchement là, bon par contre j'ai tellement de pour ce tour là, bon, on est dans la ville de Quimper, c'est pas marqué en haut mais ça l'est. Hein. Ok, je crois la préfecture du Finistère, Quimper, en tout cas je crois que c'est une ville de plus de 60 000 habitants. De toute façon c'est la plus grosse ville de... Je pense dans le département du Finistère dans cette première étape, ça doit être la ville qui a le plus d'habitants avec Brest. Hein. Attends, la plupart des villages sont un peu paumés, la plupart des villes. Ah, c'était la mine cyclisme 3D, non sérieusement, ouais. Vraiment cette première étape elle est plaisante à jouer. Je l'avais déjà fait de mon côté avec Van Der Poel, je crois que je fais 2 battus par Van Aert. Mais ouais, il faut vraiment énormément de rouge au pied de la dernière montée. Alors, je sais pas si je joue avec Boke. Parce que ouais, Boke Mollema il a pas l'accélération d'un. Bah d'ailleurs on va voir hein, Boke Mollema. Bon, honnêtement, c'est que la première étape. Hein. On raconte pas encore notre vie, tu vois, on racontera plus notre vie. Bon, je tiens à signaler également. Ouais, comme je vous dis, je tourne à l'avance. Alors, effectivement, Pedersen, il a moins d'accès que Mollema. Mais en sprint, il a moins. Alors voilà, je tourne à l'avance. On est mercredi, du coup, le jour de France-Portugal. Maintenant, là, c'est vraiment la dernière chose hein, de foot. Et après, là, c'est directement le tour. En plus de mon présentation des équipes, au moment où je tourne, j'y serai normalement. Tarly Vandoski, ça va être franchement les 4 premières étapes possibles. C'est pour ça que je les tourne à l'avance, parce que je serai pas chez moi. Comme d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Sur tout simplement ce qu'il y aura sur la chaîne pendant le tour en intégralité, bah, tout simplement je vous ai dit où je serai et que les vidéos seraient à midi. Alors il n'y a toujours pas les équipes 400 de ce sprint intermédiaire. Alors normalement je serai vers ici parce qu'ils mettent le sprint intermédiaire à Playboy, mais je crois que je serai en sortie de village pour qu'il y ait un peu moins de monde. De toute façon je serai avec des pancartes hein, que je vous ai montré sur Insta. D'ailleurs venez me rejoindre sur Insta, c'est cyclisme 3D, sur la play c'est cyclisme 3. Sur Insta il y aura des exclus du tour, bon Steven qui me protège. Alors les arches ont été modifiées d'ailleurs, franchement c'est vraiment les arches officielles et c'est pas mal. Vous avez vu Van Aert avec son maillot de champion de Belgique. Attendez, démarre, j'ai cru que démarre il avait le maillot de champion de France, hein, mais non il l'a pas. Hein. De toute façon j'ai mis Cavani, mais Cavani c'est pas sur le tour. Du coup ouais, je serai en sortie de village pour cette étape 1. Franchement c'est la première fois que je joue avec Pedersen, l'ancien champion du monde. Bon par contre voilà, Steven je t'aime bien. Alors Steven je sais pas combien il a en sprint. Steven. Jasper Steven, c'est 73. Ah par contre en vallon c'est vrai que le 75 de vallon il va pouvoir être intéressant sur certaines étapes où je pourrais l'envoyer à l'avant. Bon allez, c'est pour ça que nous on va justement lancer notre sprint. Alors vous m'avez dit que j'appuyais passer sur la touche, je vois pas ce que vous voulez dire parce que là franchement je donne mon maximum. Bon par contre Sagan team block, c'est normal ou pas? Au Peter on t'aime bien mais bon voilà. Bon on est à Plébin du coup. Ah peut-être on est passé un ou deux. Ah est-ce que je passe? Oui je passe. Casse-ball, bon voilà. Alors, je crois que dans cette ville il y a une église et une sorte de minarque de tronc. Voilà, je suis en sortie de village. Ah, peut-être en vrai ici franchement c'est pas mal parce que tu vois la caravane et tout passer à l'avance et tu peux être à l'avant. De toute façon il y aura les trois parties du vlog avant la caravane et les coureurs. De toute façon je vous en reparlerai. De toute façon ça sortira dans les journées de repos et les coureurs ce sera. Ce sera après. Et franchement là la petite montagne, faut que la montagne, je crois que j'avais une sorte de vision, je m'imagine si. Non franchement. Ouais, un gros boulevard comme ça quand j'étais allé sur le tour du Finistère, pareil. Voilà. Mais de toute façon, je vous ferai, comme je vous ai dit, hein, les idées de vidéos que j'ai eues, franchement incroyable. Hein. Bon, il y a celle sur les médias, il y a celle sur la renaissance du cyclisme français, sur ma carrière, voilà. À chaque fois, je vais soit sur le tour ou soit à l'époque sur le critère de choisir l'oreille, il se passe dinguerie. Je vous expliquerai ça, bon, ces vidéos sortiront dans 2-3 ans. Et puis à la fin du tour, il y a une vidéo que se passerait-il si un Français gagne le tour. Et également une vidéo sur les côtes de Saint-Rivoil de 2,1 km à 4,3% de pente moyenne. C'est la dernière montée de la journée, vraiment, à part l'arrivée. Si on passe en tête de cette montée, on est assuré d'avoir le maillot à poids. On aura 4 points, j'en verrai encore Skuins demain là, avant de toute façon, je tiens à le préciser. On a Bjerg, hein, le rouleur danois de cette équipe, et Goldstein qui sont licenciés. Allez, de toute façon, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, qui était une vidéo pré Tour de France, où on a fait un tour des favoris, je pense qu'elle était quand même assez longue. Bon, j'ai pas encore tourné au moment où je tourne, mais bon, voilà, de toute façon, hier, c'est. Enfin, voilà, demain au moment où je tourne, du coup, ce sera jeudi, c'est la fin des cours. Pour moi, ça va être trop bien de parler au Mandoski, hein. Ah, allez, 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 yes
toute façon, je peux plus être rattrapé aujourd'hui. Cette première étape, bon, il y a des coureurs distancés. Hein. Il y en a déjà pas mal. Alors, c'est normalement, c'est 22 équipes de 8 coureurs. Mais là, avec le Covid, il y a une 23e équipe. On avait en fait à chaque fois les 19 équipes pour le tour. Et la première Conti Pro, enfin la première du classement Conti Pro, du coup là c'est Alpecin. Et là il y avait trois équipes françaises. Total le mérite, voilà. Et puis Arca et BNB aussi le mérite, mais bon, ils sont à domicile, du coup forcément, bah voilà. Pour. Non. Voilà, pour l'une des deux équipes bretonnes, ne pas avoir. Enfin, ne pas être présent pour le tour qui est à domicile pour eux, bon voilà. Alors tout le monde dans mon équipe va quand même prendre ses ravitaillements, enfin ses gels bleus. Alors est-ce que. Oui voilà, ils sont tous en train de le prendre, bon moi également. Attends quoi, j'ai pris mon gel rouge. Mon gel bleu. Non, c'est une blague. Quoi que encore ça peut passer, bon il me faut vraiment du rouge. Vraiment j'ai hâte de voir, bon, j'espère qu'il y aura les films, mais Madouas a dit qu'il y avait pas mal de passages à niveau. J'espère que ce sera réglé pour le tour. D'ailleurs bon l'étape 2, ouais ils vous ont voulu la décaler à cause des élections. Bon voilà, ils vont mettre une journée de repos, ils se sont un peu foutu notre gueule. Elles ont vu le taux d'abstention, j'ai envie de te dire, 66% je crois. Bon voilà, hein, on a fait un petit trade Pedersen. Te retourne pas petit. On parle, on raconte notre vie. Pedersen derrière qui va faire peut-être une belle OP. Bon derrière gel rouge pour tout le monde. Nous on va prendre le gel rouge vraiment à la toute fin, parce que là la côte de la fosse au loup elle est terrible. Allez, on voit le pied là. C'est là où il y aura Tuture et Styros. Allez, regardez, il y a Styros sur le côté MDR 2,9 km à 5,8% de plateau. Mais on est dans le plus dur. Et là c'est Steven qui a une nouvelle. Allez, oh Steven. Oh Steven, roule à 110 pour nous, allez Jasper, bon ils sont tous revenus sur nous. Là ouais, et par contre là ça commence déjà à être en sprint alors qu'il reste quand même deux bornes. Ouais, là ça va être vraiment technique, là tout le monde est en train de partir, hein. Tout le monde est en train d'y aller. Bon nous avec Mats Pedersen, voilà, il nous reste encore notre gel rouge à pas prendre, mais là j'avoue tout le monde est en train de partir. Bon par contre tous ceux qui sont mon équipe, les productions, vous allez servir à rien vous. Hein. Ah, les mitons, c'est Bernard, hein. Ce que vous pouvez faire c'est rouler à 100%, aller dans la côte de la fosse au loup avec Mats Pedersen. On sait qu'on a 73 ballons et qu'on est moins fort potentiellement qu'eux, mais là c'est le moment, hein. Ah, et là faut à tout prix prendre le gel rouge, mais là on va être trop long, on est déjà 30e, hein. Qu'est-ce qu'il fout de Bode, c'est de Bode je crois, qu'est-ce qu'il faut si bien placé. Ah, on est en train de prendre une cassure. Attendez, est-ce qu'il y a des coureurs bien placés mon équipe? Oui, il y a Mollema, mais ils ont plus de rouge. Aïe, mais je crois devant ils ont plus de rouge. Il y a la fille qui est partie avec Tadej. Allez Julien. Et il y a alors qui. Non, c'est Roglic. Bon, nous, allez, on va faire le sprint là avec avec Mats Pedersen. Là, on va essayer d'en rattraper la plupart. On va les rattraper de toute façon la plupart. Allez. Derrière, c'est qui est devant? C'est toujours à la flip à 500 mètres. Allez Julien. Allez, petit, allez, te retourne pas. Oui, Julien Lafitte qui s'impose, ses premiers maillots jaunes. Le champion du monde. Bon, nous, on finit 23e. Mais bon, vous l'avez remarqué. Bon, je lève les bras, je sais pas pourquoi. Vous l'avez remarqué, Van Aert également finit juste devant nous. Ah, c'était compliqué ce final, mais au rythme où ils sont allés, c'était impossible. Parce que je peux pas faire plus avec Mats Pedersen. Sachant qu'il est quand même éclaté en tout ce qui est vallon. Voilà, il a 73 vallons seulement. Et pourtant, on en remonte pas mal sur la fin. Mais c'était trop, quand tu vois, ils étaient vraiment tous au sprint du début à la fin de la fosse au loup. Je sais pas comment ils ont fait pour tenir. Après, c'est des surhumains, je rappelle. Bon, à la fiche, j'en ai 81 montagnes dans le jeu que j'ai augmenté. Julien à la Philippe. Et le maillot vert, c'est... Non, attends, c'est une blague. Blackland, on a le maillot à poil blanc pour Poga déjà. De toute façon, son seul adversaire ce sera peut-être Godu, bon, il paraît pas. Bon, c'est raté, ok. Attends, tu vas me dire qu'il. Non, attends, tu vas me dire. Ah oui, mais parce que c'est 20 points, ok, oui, ok. Je vois, parce que c'est 20 points, du coup, ok. Oui, c'est 20 points, ils sont égalité, ok. Normalement, ça devrait être à la pipe, mais de toute façon, Blackland l'aurait porté par procuration. Godu est déjà très bien, là, c'est bon. Nous, avec Nimo, les mailles, tous ont déjà 28 secondes de retard. C'est déjà, t'as déjà du retard. On était la première étape et en plus, ouais, ils ont tous du retard. Maillot point, on a deux points d'avance sur l'AF. C'est Tipar, maillot vert et on a déjà du retard avec Mads Pedersen. On a 7 points. Ouais, bon, en vrai, c'est quand même énormément de retard. Bon, Godu, Hirschi. Ouais, il y a Paris-Peindre, je dirais qu'il y a Giza aussi. Qu'est-ce qui est de Bode, ok. Paris-Peindre aussi, ouais, qui peut faire vraiment un rôle. Jonas Vingegaard, mais bon, il sera coéquipier.
Classement par équipe, on est 12ème. Peut-être faire un truc, non, on fera rien. Au classement par équipe et combativité, on a 5 km de retard. C'est un objectif, le classement de la combativité. De toute façon, objectif maillot vert, maillot.